Bonjour les petits loulous, aujourd'hui j'ai mis mon plus beau chapeau de cow-boy pour partir en Amérique du Nord. Cette semaine, trois questions sur l'Amérique du Nord. La première question, la première devinette, il faut trouver un animal qui est un mammifère qui marche sur ses quatre pattes, que vous connaissez, que l'on trouve ici aussi à Montpellier en France. C'est un animal qui est l'animal préféré des Indiens. Il vit vraiment avec les Indiens, ils s'en servent tout le temps pour se déplacer, pour aller à la guerre. C'est un animal qui a une très longue crinière. Vous avez trouvé? Et qui va très vite quand il galope. Deuxième question. C'est une chose qui appartient à un animal que les Indiens ramassent ou retire des animaux pour se mettre dans les cheveux, pour se faire des coiffes qui posent sur leur tête, mais aussi pour mettre au bout de leurs flèches. C'est quelque chose qui est très doux, qui peut être très coloré, comme tout blanc ou tout noir. Et je sais que quand vous en trouvez par terre, vous adorez ça. À l'école, on en utilise souvent des colorés. Très rouge, jaune, bleu, qu'on utilise pour faire, pour mettre sur la tête ou pour décorer. Voilà, j'espère que vous avez trouvé. J'ai pas été très claire, mais j'espère que vous aurez trouvé. Ça se retire, allez, un autre indice. Ça se trouve sur les oiseaux. Troisième mot à trouver, c'est le nom de la maison des Indiens. Ça ressemble à une tente et c'est quelque chose que les Indiens démontent et remontent plus loin quand ils se déplacent, quand ils déplacent leur village. Allez, bon travail !